quicho. On ជំរាបព្រះប្រកាសបន្តកិច្ចចំណាការនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅដំណាងសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងទម្រង់ដីដោជាពុស្សសិសូមជឿញ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez dit avoir contribué à l'organisation de certains banquets, de certains événements. Vous avez parlé de projections de films, etc., destinées en partie aux délégations étrangères. Est-ce qu'à ces occasions-là, est-ce que vous voyez régulièrement les dirigeants du Kampuchea démocratique? សូមគោរពលោកប្រធាននិងអង្គសាវនាការមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមលើកសំណូមពរដែលខ្ញុំបានពីគ្រោះជាមួយនឹងលោកមេធាវីបញ្ជាក់ជូននៅពាក្យពិធីចាងវាងពិធីការខ្ញុំយល់មិនដល់ទេតែការពិត ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលផ្នែកមួយនៅក្នុងពិធីការហើយមានខាងលើខាងលើទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនបើសិនជានិយមន័យថាចាងវាងនឹងវាធំខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងន័យនឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ក្រែងមិនច្បាស់ទៅច្រឡំតួនាទីនឹងវាធំពេកហើយខ្ញុំជឿថា អង្គសាវនាការច្បាស់ជាយល់មិនខុសពីខ្ញុំទេពីព្រោះបើមានសម្ភាររបស់តាអៀងស្រីចោទខ្ញុំថាសីអានោះច្បាស់ជាគេមិនអោយខ្ញុំមានតួនាទីអីសំខាន់ទេនេះជាការចង់បញ្ជាក់ខមួយហើយខពីការកំណត់ពេលវេលាខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំចេះស្មានតែប៉ុណ្ណា បើខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំមិនវែងទេມັນមានពេលវេលានៅក្នុងក្រសួងនឹងវែងទេបាទនេះសូមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឆ្លើយនឹងសំណួរសហរាជអាជ្ញាថាតើបានជួបអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យញឹកញាប់ទេក្នុងពេលធ្វើពិធីប្រចាំកុនឬពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូធំៗ มันบานยังยอมได้เถอะพี่พรัวเวตเตอร์ตามกำรัดระบบนิ้วบางนิ้วนากำรัดพัวไอ้ยังใบนู้กำรัดนิ้วบานแต่กำรัดละโมมเถอะเมียนเนี่ยได้ขังเลือได้ขังบานไปเจาะจูนยังคือเนี่ยได้เมียนสมัติเพียบเพียซาเมียนสมัติเพียบขังโยดังกำรัดอันตรายเจ็ดไอ้นั่งบาน Vous dites que vous ne voyez pas souvent les dirigeants du régime, à part Yeng Sary et Son Sen, que vous connaissiez. Est-ce que vous connaissiez Pol Pot, Nguyen Chia et Khieu Samphan, ou d'autres personnes de même rang? เรียบจอมรีจนาสมพวนในรัฐบาลธรรมดาเนี่ยดังน้อมยมแต่งแต่สกอลตามรูปเพียบขนมปีทีหรือก็ขนมการเดินจูนจูบ ជប់លៀងដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញថាទៅរៀបចំតុកៅអីហើយជួយនាំជាងអល់ទឹះចូលខាងណាខាងណីអានឹងខ្ញុំស្គាល់
ខ្ញុំមិនដឹងទេបាទ Est-ce que vous connaissiez les titres exacts de Pol Pot, Nunchia et Khieu Samphan? Bat, Skol, Tam Raya, Dai Tatul Ka Parachum, Sanibat, Bak Tuli, Aydan, Skol, Bat. ក៏លោកខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺតួអង្គអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗអញ្ចឹងມັນងាយបានជួបទេពីព្រោះមានឋានៈមានជាន់ដូច្នេះស្គាល់តាមរយៈដែលពេលដែលមានប្រជុំបើកទូលាយឬសន្និបាតបើកទូលាយអីអញ្ចឹងបានស្គាល់បាទ Pourriez-vous préciser rapidement les titres de ces personnes que j'ai citées, que ce soit clair? Merci. Thana robot som suo talap tu vinh ku thana robot nhat dak nom dai lok suo khnyom banh nung mae de lok damnang sa Rinya có bay tăng thầm nua mùi rút một đòn là mày ở bàn nghề dứt hay là nghề lời chạy cho bà Merci, Monsieur le Président. Quels étaient les titres et les fonctions de Pol Pot? Qu'en est-il de Nunchia? Est-ce que vous connaissez son titre et ses fonctions? Parce que vous étiez dans le protocole et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez chargé de les placer, notamment lors de réunions ou de spectacles, etc. Connaissez-vous ce titre? ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺក្រៅពីប៉ុលពតដែលខ្ញុំជម្រាបថាមេដឹកនាំកំពូលហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគេហៅអ៊ំអ៊ំខាងលើដូច្នេះលំអិតថាឋានៈជាអីច្បាស់អត់មានទេ En tant que cadre du parti, est-ce que vous avez entendu parler d'un organe qui s'appelait le Comité central du Parti communiste du Kampuchea? Saviez-vous où travaillait
les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique? Est-ce qu'il y avait des endroits spécifiques où ils travaillaient, où ils se réunissaient? Et je vise Pol Pot, Nguyen Chia, Deng Samrin et Khieu Samphan, par exemple. Je vais en venir à l'accompagnement sur le terrain de délégations étrangères qui visitaient le Kampuchea démocratique. Vous aviez dit que c'était, si je ne me trompe pas, d'aller sur le terrain pour des missions de parfois une semaine, c'était votre fonction principale. Pourriez-vous nous donner des exemples de délégations étrangères que vous avez accompagnées sur le terrain lors de cette période, 78, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés? ហើយជូនទៅនឹងម្ដងមានតាឡានពីរឡានដឹកម្ហូបមួយហើយឡានដឹកភ្ញៀវមួយរួចហើយមាននារីពីរនាក់វិចបាយវិចទឹកទៅជាមួយហើយមានយុវជនបើកឡានម្នាក់ព្រមទាំងខ្ញុំជូនកាលពីរនាក់ ដូច្នេះការជូនទៅនឹងជូនទៅវាផ្លូវវាលំបាកណាស់ក្រោយសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបជូនថារយៈពេលមួយអាទិត្យនឹងទៅម្ដងដូច្នេះខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que vous vous souvenez de la période à laquelle cette délégation de trois Belges est venue visiter le Cambodge? Lorsque vous visitiez le terrain, qu'est-ce que vous visitiez exactement? Et quelle région vous visitiez avec cette délégation belge? Quelle région avez-vous visité? Quel type de cellule avez-vous visité avec eux? D'accord, mais en chemin vers Siem Reap, est-ce que vous arrêtiez à certains endroits pour faire des visites? Ça pouvait être des fabriques, des usines, des coopératives, je ne sais pas, n'importe quel type d'unité de ce type-là. ចូលទៅហូបបាយទៅកដាលបឹងមួយហ្នឹងដែលវាតោមគេសង់យូរហើយហូបបាយចប់សំគ្រប់ហើយធ្វើដំណើរទៀតអត់មានទៅកន្លែងណាទេទៅត្រង់មកទៅមិនឲ្យដល់សៀមរាបហ្នឹងកុំឲ្យយប់តាន់បាទ
pour les besoins de la transcription, aussi pour rafraîchir la mémoire du témoin, il y a un document FIBIS qui porte la référence E3/75 et D262.44 qui date d'août 1978. Ce document fait abondamment référence à cette visite d'une délégation de l'association belgo-cambodgienne qui a eu lieu du 22 juillet au 5 août 1978. Alors si l'on prend les différentes pages en anglais 00 16 89 35 et aussi 00 16 89 40 à 42, il est mentionné par Radio Phnom Penh que la délégation a visité les régions centrales et nord, ce qui comprenait une fabrique de médicaments, une fonderie à Kampong Cham, une usine de caoutchouc à Chamkar Amdong, la visite des barrages du 1er et du 6 janvier, la visite d'Angkor, ainsi que des cratères de bombes. Par la suite, cette visite, selon Radio Phnom Penh, s'est poursuivie dans la zone du sud-ouest, à Takeo, une coopérative aussi de Anta Som, et ensuite Kampong Som, pour revenir à Phnom Penh. Est-ce que ce que je viens de décrire constituait un parcours classique pour une délégation étrangère en visite au Kampuchea démocratique? Est-ce qu'il y avait ces arrêts dans des fabriques, dans des usines ou à des barrages? សូមបញ្ជាក់ក្នុងភ្នៀវមួយលើកភ្នៀវតែមួយនឹងក៏ដោយក៏គេចែកអបមាខ្ញុំឲ្យទៅសៀមរាបអង្គវត្តខ្ញុំទៅដល់សៀមរាបអង្គវត្តត្រឡប់មកវិញទៅបកលឲ្យខាងគណៈមន្ត្រីគេទទួលត្រូវបានគេចែកឲ្យណានាទៅខាងណាទៀត មិនមែនខ្ញុំម្នាក់នឹងទៅគ្រប់កន្លែងទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាំទៅគឺច្បាស់គឺជាច្បាស់ជាងគេគឺទៅសៀមរាបអង្គវត្តបាទក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនចង់ចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការចែកគឺគេចែកអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងភ្ញៀវតែមួយនឹងនាំទៅសៀមរាបម្នាក់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញមានអ្នកផ្សេងនាំទៅកន្លែងផ្សេង Est-ce que parmi d'autres délégations étrangères, vous auriez accompagné une délégation de Japonais d'une association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge, toujours en 1978? Je voudrais, Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin pour les besoins de la transcription, mentionner tout d'abord que figure au dossier la transcription de 3 émissions de radio japonaise, la radio japonaise Tokyo Kyodo, des émissions qui datent des 13, 14 et 15 octobre et qui apparaissent dans le document FIBIS E3/2/94-294 et D262.46. Alors le nom du témoin est mentionné à plusieurs reprises dans ces émissions de radio japonaises et avec votre autorisation, il me paraît très normal de lire deux extraits de cette émission de radio et demander la réaction au témoin par rapport à cela. Donc je voudrais vous demander l'autorisation de pouvoir le faire.
Merci beaucoup. Je voudrais apporter une précision. En fait, ah, je vois Oui, je voulais préciser que ce document FIBIS, qui a le numéro d'IRN 0017-0263 jusque 68, est, en tout cas les extraits ou les émissions de radio, pardon, de Tokyo Kyodo qui sont reproduits dans FIBIS sont également reproduits dans un autre document qui s'appelle BBC SWB du 15 octobre 1978 et qui porte la référence D108-28.318. Je répète, D108-28.318. Et ce document-là a une traduction en français. Et le numéro d'IRN en français est S00-79-34-98-99. Et aussi un autre passage, S00-79-35-03-07. En anglais, ce document de BBC porte les références S00-13-1-8-4-8-5 et un autre passage sous le numéro S00-13-1-9-0-9-2. Alors, le premier extrait que je voudrais lire, à moins qu'il y ait une objection. Thank you, Mr. President. I have no objection, but the request, it would be helpful for me if the extract the prosecution is about to read. Monsieur le Président, avec votre accord, nous allons essayer de procéder de la sorte, mais bien sûr avec votre accord, parce que la traduction khmer n'existant pas, nous ne comptons pas montrer le document lui-même aux témoins. Mais si c'est utile aux parties, je ne vois pas d'objection à ce qu'on montre les passages qui sont intéressants. នឹងយើងនឹងត្រូវបង្ហាញផ្នែកហ្នឹងទៅភាគីបានបើសិនគាត់យល់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យជំនួយការរបស់លោកបង្ហាញឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រត្រង់ចំណុចដែលលោករកដកត្រង់មានការបំពងរំលឹកការចងចាំរបស់សាក់សីរំនេះ Merci. Alors, c'est le document D108-28.318. En anglais, ce sont les IRN précis 00013-184-185. Et en français, en anglais, il y a un S qui précède le numéro. En français également, c'est S00-79-34-98.
98 à 99. Alors c'est un passage qui commence par les mots Sohong. Je crois qu'on l'a trouvé. Voilà l'extrait. Je cite. Donc c'est les Japonais qui font rapport sur leur visite au Kampuchea démocratique. Donc je cite, Sohong, notre hôte et le représentant ministériel chargé de promouvoir les relations d'amitié avec les pays étrangers, est âgé de 34 ans. Et un peu plus loin dans le texte, les responsables auxquels nous avons parlé avaient une fierté inébranlable pour leurs expériences dans les zones de libération en temps de guerre. Notre guide, Nick Korn, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que les années difficiles à l'époque où il se nourrissait de tapioca et de viande de tigre dans les zones libérées, leur avait donné la force de mettre en œuvre la politique de ruralisation drastique et les avait aidés à maintenir leur politique gouvernementale austère. Il s'est avéré que ces jeunes révolutionnaires ne faisaient confiance qu'à ceux qui avaient combattu à leur côté durant la guerre de libération. Fin de citation. Je voudrais demander à Monsieur le témoin si cet article, tel que je l'ai lu, reflète bien ce qu'il aurait dit à cette délégation japonaise. ខ្ញុំចាំមិនអស់ទេតែខ្លឹមសារនីមួយៗតែមានការណែនាំពីខាងលើហើយក្នុងការណែនាំនេះក៏បញ្ជាក់សំខាន់ពីមោទនភាពដែលបានច្បាំងទៅដណ្ដើមបានជ័យជំនះ តែលំអិតថាយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនទៀតខ្ញុំចាំមិនអស់ទេបាទដូចនេះខ្លឹមសារនេះការណែនាំនេះខ្ញុំអាចពំណំយកទៅនិយាយជាមួយភ្ញៀវតែមិនចាំទេមិនចាំថាលំអិតនិយាយយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនច្បាស់គ្រាន់តែថាជាមោទនភាពដែលភ្ញៀវមកក៏ឧទ្ទេសនាមបន្ត Il est question ici de politique de ruralisation drastique par le Parti communiste du Kampuchea. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette politique de ruralisation? ខ្ញុំនិយាយមិនបានទេព្រោះអានេះវាជាការបកស្រាយនៃទ្រឹស្ដីរបស់ហ្វាក់ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេ Je voudrais lire un deuxième extrait de ce même document à la page en anglais S000 13190 et en français 00790535 03 jusque 04. Je pense que on peut afficher la page en anglais en question. Il est dit ceci dans cet article rédigé donc par toujours par ces Japonais de l'Association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge, qui était dirigé par un monsieur Kozo Sasaki. Je cite, Nikan,
le représentant du ministère des Affaires étrangères qui nous accompagnait dans notre tournée nous a expliqué que la plupart des gens, et on parle ici de l'évacuation de Phnom Penh, nous a expliqué que la plupart des gens étaient partis sans résistance et avaient pu rentrer dans leur village d'origine. Il nous a également parlé d'une redistribution quelques semaines plus tard, évoquant apparemment la suppression forcée des classes capitalistes moins coopératives. Et plus loin sur la même page, je cite, Nikon a indiqué que les problèmes rencontrés par le Vietnam avec sa population chinoise ne touchaient pas le Cambodge, parce que tous les peuples au Cambodge, y compris les Chinois, sont traités de manière égale. Il a reconnu que les quelques personnes qui jouissaient de privilèges particuliers à la veille de la libération avait eu du mal à s'adapter. Mais il a souligné que dans le Cambodge révolutionnaire, les privilèges d'autrefois n'étaient plus d'actualité. Fin de citation. Alors, première question, monsieur le témoin. Il est rapporté que vous auriez parlé d'une redistribution des personnes évacuées quelques semaines après leur évacuation de Phnom Penh. De quoi s'agissait-il quand vous parlez de redistribution? ជម្រាបជូនបាទពីដែលខ្ញុំនិយាយជូនណាវាដូចការសរសេរជូនណាវាមិនដូចទេតែខ្ញុំមិនចាំចែកចាយខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញថាអ្នកចាស់មានស្បៀងអាហារ hay nơi không mua là tham sáp trái trái bài tức còn cho bài ní ai nè đại mô thamay đại miền ấy và trái trái miền này chẳng là vous-même, vous étiez toujours, si je ne me trompe pas à ce moment-là, dans le secteur 15. Est-ce que vous avez vu arriver des gens évacués des différentes villes sur place dans la zone ouest, dans votre dans la zone spéciale à l'époque, c'est-à-dire dans votre secteur 15? Nhông khơi cho nẹm bánh, nẹm không bánh để chanh mò. Chanh mò tam lời lệ phạm đó. Hay chôn mò tầm bòn lệ phạm. Hay nâng chanh tam lời lệ buôn. Rứ chanh tam viên sài nó mò. Bạn bạn khơi như vậy. Donc au secteur 15, il n'y a pas eu d'évacués qui se sont installés sur place dans les villages, dans ce secteur qui par la suite est devenu secteur 32. Vous n'en avez pas vu le peuple nouveau s'installer sur place? Đây màu tăng màu hay ta mua là than kia từ tua và ai màu vì na tiết kêu mình khơi thế.
Pourquoi dites-vous que les privilégiés qui résidaient dans la ville de Phnom Penh avaient eu du mal à s'adapter? En tout cas, c'est ce qui est rapporté dans cet article par les Japonais. Donc pourquoi dites-vous que ces personnes ont eu du mal à s'adapter à la vie rurale? ปัญหานี้ងាយទេបាទពីព្រោះអ្នកក្រុងហើយអ្នកស្រុកស្រែវាមិនដូចគ្នាទេទីមួយអ្នកក្រុងធ្លាប់តែរស់នៅតាមជីវភាពរបស់អ្នកក្រុងហើយអ្នកស្រែរស់នៅតាមជីវភាពអ្នកស្រែអ្នកជនបទដូច្នេះពិបាកសម្របហើយតែទីពីរវាមិនសមមិនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងហើយ ธรรมดาនៅក្រុងទោះបីផ្ទះតូចផ្ទះធំក៏ជាផ្ទះរបស់គេដូច្នេះដល់មកកន្លែងថ្មីវាថ្មីចេះអញ្ចឹងវាមានស្រួលអីពិបាកសម្របហើយបាទសូមឆ្លើយបាទ Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez accompagné de nombreuses délégations dans diverses régions du pays. Vous avez surtout mentionné Siem Reap et dans les bases. Est-ce que vous avez constaté quelque chose durant toutes ces visites en 1978 concernant l'état de santé des habitants et des travailleurs dans les bases? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous aurait frappé concernant cet état de santé de ces habitants? សូមបញ្ជាក់ជូនច្បាស់ម្ដងទៀតក្នុងការជូនភ្ញៀវភាកច្រើនគឺខ្ញុំជូនទៅសៀមរាបមើងអង្គវត្តអមដំណើរក្នុងការជូនភ្ញៀវទៅអង្គវត្តយើងត្រូវឆ្លងផ្លូវលេខ6ទៅអង្គវត្តតាមផ្លូវនៅអមសាខាងផ្លូវទៅអង្គវត្តហ្នឹងប្រជាជនភាកតិចទេមិនសូវមានផ្ទះសម្បែងច្រើនទេ ដូច្នេះការស្គាល់សភាពការប្រជាជនតាមនឹងមិនបានអត់ទេតែជារួមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំយល់គឺជីវភាពក្រោយសង្គ្រាមនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយលំនៅឋានដែលទទួល មនុស្សមកញុចនៅអញ្ចឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរសរុបទៅបញ្ជាក់ជូនថាជីវភាពមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទ Comment avez-vous remarqué que les habitants ne mangeaient pas suffisamment? Je parle des visites que vous faisiez en 1978. Quels étaient les signes qui montraient que les habitants ne mangeaient pas assez? Est-ce que les personnes étaient maigres, d'après ce que vous aviez vu? Comme
khiom khœng je tu tâu đối bạ bạ hai khnia tâi nẹ chư tổng cát ấy kê nâu mần tí pết khiom mần khœng tê tâi nẹ nâu tam khum chọp chọp phlâu ni khœng bạ bạ hai khnia ba khiom khœng ca pứt kư chăng. Est-ce que vous faisiez chaque fois rapport à vos supérieurs de chacune de vos missions sur le terrain avec les délégations étrangères? Nhiều rịt rịt đòi bàn khơi một cô vọt. Hay cả hộp chốc mình miền ấy thề. Tập bản thân vào. Est-ce que vous avez jamais rapporté à vos supérieurs par écrit ou lors de réunions que les gens des bases n'avaient pas assez à manger? Est-ce qu'il vous est arrivé de rapporter à vos supérieurs que les gens des bases n'avaient pas assez à manger lorsque vous aviez constaté cela sur le terrain? Et je disais, ce rapport pouvait être fait peut-être par écrit ou de manière orale lors de réunions. ការប្រជុំគឺមានលើកបញ្ហាវិបរៈផ្សេងៗនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកដែរថាសង្កេតទៅឃើញហូបមិនសូវគ្រប់គ្រាន់តែមិនមែនញឹកញាប់អីទេប៉ុន្តែមកកាលតែតាមឱកាសដែលមានពេលអាចនិយាយបានបាទ Pour en revenir simplement au rapport que vous faisiez de vos visites, est-ce que vous faisiez ces rapports une fois rentré à Phnom Penh au ministère des Affaires étrangères, ou bien vous arrivait-il de faire certains rapports alors que vous étiez encore sur le terrain par télégramme? Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez accompagné une délégation de journalistes yougoslaves durant leur visite du pays au début de l'année 1978? Est-ce que vous vous en souvenez? ខ្ញុំចាំមិនអស់ទេតែកាលនោះវាមានគណៈមានភ្ញៀវយូហ្គោស្លាវីដែរហើយខ្ញុំចាំមិនអស់តែអាចពេលនោះមានជូនដែរ
Merci. Je voudrais montrer aux témoins un document, Monsieur le Président, avec votre autorisation, et le projeter à l'écran. Il s'agit du document E3-1112, qui porte aussi la référence D252.12. Alors, les IRN existent en anglais et en khmer, et je vois aussi qu'on a reçu une traduction française la semaine dernière. Donc en anglais, les IRN sont 0043-48-61-63, c'est un document de 3 pages. En khmer, 00-20-960-6-2, et en français 00-81-00-29-32. Est-ce que j'ai l'autorisation, Monsieur le Président? Alors, en attendant qu'on le puisse le projeter, je voudrais simplement dire qu'il s'agit de deux télégrammes, télégrammes 306 et 307, qui sont adressés aux respectés, à l'attention de Bang Van, bien-aimé, adressés par un certain Korn, le 12 mars 1978, ou s'agissant du télégramme 307, on ne sait pas quand il a été envoyé, mais on sait qu'il a été reçu le 15 mars 1978. Alors, monsieur le témoin Nikon, vous avez dit que votre alias c'était Korn, et vous étiez au moins temporairement à la tête d'un service de protocole du ministère des Affaires étrangères. Je voudrais savoir si c'est vous qui avez adressé ces deux télégrammes au frère Van en mars 1978. Je vous laisse le temps de lire le télégramme, les deux télégrammes, et de me donner la réponse.
Monsieur le témoin, est-ce que vous avez pu parcourir l'ensemble du document et me dire si c'est vous qui avez envoyé ce ces deux télégrammes au frère Van? ខ្ញុំបានពិនិត្យត្រួសត្រាសខ្លឹមសារនេះមិនមែនខ្លឹមសារខ្ញុំទេហើយមិនមែនខ្ញុំទេអ្នកសរសេរហើយចាំថាពេលនោះខ្ញុំដូចមិនមានតួនាទីអីកាន់តួលេខផងត្រង់ទៅគឺខ្ញុំសូមបដិសេធមិនមែនទេ Que vous connaissiez d'autres personnes qui s'appelaient Korn au sein du service du protocole du ministère des Affaires étrangères qui étaient susceptibles de faire rapport concernant les interviews que les journalistes yougoslaves avaient eues avec un certain nombre de personnes sur des chantiers lors de leur visite. Est-ce que vous pourriez tout de même nous dire qui, au sein du ministère, était appelé le frère Van? Si ce n'était pas vous qui aviez rédigé ce télégramme, peut-être pourriez-vous nous dire malgré tout pourquoi il semble qu'il était important pour le membre du ministère des Affaires étrangères qui a rédigé ce télégramme de faire rapport des conversations que les journalistes yougoslaves avaient eues sur le terrain et des questions que ces mêmes journalistes avaient posées sur le terrain. Est-ce qu'il était habituel, même à d'autres occasions, de faire rapport concernant les faits et gestes des étrangers qui visitaient le pays et des questions qu'ils posaient aux différentes personnes qu'ils rencontraient? ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយគឺក្នុងភ្នียวមួយគណៈប្រតិភូមិមិនមែនជូនទៅខ្ញុំទេគឺខ្ញុំជូនទៅកោវត្តឆ្លងពីកោវត្តមកមានអ្នកផ្សេងទៀតក្រុមផ្សេងទៀតជូនទៅទៀតអញ្ចឹងវាការរាយការណ៍អីអីនេះវាទៅតាមប្រភេទផ្នែកមួយមួយបើខ្ញុំខ្ញុំរាយការណ៍ខាងខ្ញុំបើដល់គេនាំទៅខាងផ្សេងទៀតទៅតាមខេត្តតាមមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតគេរាយការណ៍តាមផ្នែករបស់គេ
ដូច្នេះគេរៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំសារ D'accord, j'ai encore deux autres documents à soumettre aux témoins avant la pause de midi. Le premier, Monsieur le Président, c'est le document E3-1113, également D252.13, qui date du 15 mars 1978. Il s'agit du télégramme 61, adressé le 15 mars 1978 par un dénommé Korn au frère respecté et bien-aimé concernant toujours la visite des journalistes yougoslaves au nord-ouest du pays. J'ai l'autorisation de lui montrer et de le projeter à l'écran. Monsieur le témoin, si vous pouviez parcourir rapidement le document, vous attardez sur le nom qui figure à la fin du document, ainsi que les différents sujets qui y sont traités, et pour vous aider, je vous dirais que y sont rapportées toutes les questions posées par les journalistes yougoslaves qui ont visité Baraï, le chantier de Trapping Tma, où travaillaient 20 000 personnes, Sisopon et Batambang. Et les questions qui étaient posées concernaient la nourriture, le transport des travailleurs, le mariage, les visites à la famille. Voilà en résumé ce que contient ce document. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est vous qui avez envoyé ce télégramme à l'attention du Bang très respecté et bien aimé? ពេលវេលាវាយូរពេកហើយដោយលោកចាំហើយវា 30 ឆ្នាំហើយដូច្នេះកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានចូលរួមក៏ចាំមិនអស់ដែរតែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាការដែលមានការតាក់ទងរឿងថារាយការណ៍ពីភ្ញៀវ អានឹងមានរាយការណ៍មែនខ្ញុំមានរាយការណ៍មែនតែខ្លឹមសារហ្នឹងវាចាំមិនអស់ទេតែខ្លឹមសារសំដៅសំខាន់គឺសន្តិសុខសុខគឺបានសេចក្តីថាធ្វើដំណើរហ្នឹងសុខសบายទេហើយមានសួរឆ្ងល់អីហ្នឹងគាត់ឆ្លើយទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលជួបត្រឡប់មកវិញត្រូវរាយការណ៍ថាបាន ញៀវសួរមិនអីមិនហើយខ្ញុំបានជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយខ្ញុំចាំគឺខ្ញុំភាកច្រើនមានតែមាត់ទេតែដល់នេះឃើញមានទូរលេខអីខ្ញុំមិនចាំដែរបាទ
Je voudrais simplement, vous ne vous en souvenez pas, mais vous n'excluez pas, il me semble que cela puisse avoir été vous. Et je voudrais simplement avoir des commentaires sur une note qui est en toute fin de télégramme, avant la signature, ou plutôt avant le nom Korn. Il est écrit une note. L'autre jour, j'ai écrit le rapport au crayon pour vous, car le camarade Chin l'a emmené à la base pour demander aux gens de taper le télégramme. Cependant, nos compatriotes ont directement envoyé ce rapport au bureau 870. Que vous en soyez informés. Alors que ce soit vous ou pas qui ait rédigé ce télégramme, pourriez-vous nous dire qu'était ce bureau 870? Et est-ce que les télégrammes devaient passer par ce bureau? Est-ce qu'en règle générale, les télégrammes qui étaient destinés à des individus, des hauts dirigeants du régime, devaient nécessairement transiter par le bureau 870 avant d'arriver à leur destinataire précis? Est-ce que vous savez ça? Thank you, Mr. President. I didn't object earlier. I can see how the prosecutor wishes to engage in speculation with this particular witness. He needs to lay a foundation. He knows that. There's no need to try to sneak this sort of information in. First, you should ask him whether he knows it, he has any linkage with that particular office, and then whether he knows the protocol and whether he knows in specific to any particular document that he wished to raise with this particular witness, whether it was actually delivered to the recipient that may be copied on a document. But to simply try to get a witness to speculate is improper. And the gentleman should know this by now. Thank you. Monsieur le Président, il ne reste que 5 minutes, je voudrais montrer un autre document, donc je ne vais pas insister sur cette question-là, mais je voulais simplement demander, peut-être quand même, de manière générale, est-ce que les télégrammes étaient envoyés à destination du ministère des Affaires étrangères était adressé au bureau 870. Est-ce que le témoin connaît cette information ou pas? S'il ne la connaît pas, il peut nous le dire, il n'y a pas de problème. Again, I mean, this is why I raised my objection. Clearly, the gentleman knows that he hasn't laid a foundation. This is a slippery way of trying to get an information from any witness. Does this person actually know this information? He can pose that question. First, he began by reading a telegram, which, in my opinion, was rather sleazy.
That's what I consider a sneaky way of trying to get information in before laying a foundation. He could have simply asked him if he knows what Office 870 is, if he knows how it operated, how he knows that information, and if telegrams were being used, you know, what was the procedure. But to simply go out and read a document and then say, well, gee, លោក អាច និយាយ ដោយ សង្ខេប ហើយ ជាក់ ច្បាស់ បាន ទេ ហើយ លោក ប្រើ ពាក្យ ពេចន៍ ឲ្យ បាន សម រម្យ នៅ ក្នុង ការ ជំទាស់ ទៅ តាម នីតិ វិធី មិន ក៏ បី ប្រើ ពាក្យ ធ្ងន់ 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 នោះ ឡើយ ឥឡូវ លោក និយាយ ខ្លី បាន ហើយ ការ ជំទាស់ របស់ លោក មូល ហេតុ អី មិន គ្រាន់ តែ ការ ជំទាស់ នោះ អធិប្បាយ ចង់ កន្លះ 5 មនុស្ស ឬ 10 មនុស្ស អញ្ចឹង ទេ ព្រោះ ពេល វេលា នៃ កិច្ច ដំណើរ ការ សមាការ ត្រូវ ការ ឆាប់ រហ័ស លោកអាចសង្ខេបនៅមូលហេតុនៃការជំទាស់របស់លោកដោយខ្លីបានដែរឬទេមានប្រមាណចំណុចនៃមូលហេតុនៃការជំទាស់របស់លោកដើម្បីឲ្យជំរះនឹងមានមូលដ្ឋានក្នុងការវិភាក្សាសម្រេចលើបញ្ហាជំទាស់នេះថាជំទាស់វាមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៅមុខទៀតហើយក៏មិនគប្បីចង្អុលបង្ហាញទៅភាគីម្ខាងទៀតអំពីវិធីក្នុងការតាំងសំណួរនោះដែរ នេះជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលភាគីនីមួយៗដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនាការ Far be it for me to give advice to other counsel on how to frame a question. But when it comes to technique, one would expect someone of his caliber in his experience to know exactly how to comport himself and how to conduct examination of witnesses. He has not laid a foundation. There is a procedure. Do you have the foundation? And I do get upset. I do get upset when the gentleman. The president is that he's asking the witness to speculate that he hasn't laid a foundation and that the technique that he's using is utterly improper and the gentleman knows that. That's my objection and I want a ruling on this. Otherwise, we can present to any witness any sort of information and get them to validate because all we want to do is read a document into the evidence. This is improper. លោកតំណាងថាប្រញ្ញាដូរសំណួរមានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេតាំងសំណួរបញ្ចប់នៅពេលវេលាសម្រាប់លោកដែលត្រូវលោកធ្វើនៅពេលនេះហើយសំណួរមិញនេះកង់សាកសិមិច្ឆ្លើយទេហើយលើក្រោយសូមមេធាវីរំលឹកមេធាវីថាសូមជំទាស់ខ្លីហើយជាក់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យជំរះមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ភ្លាមៗតែម្ដង Je ne vais pas m'attarder encore une fois sur cette question, Monsieur le Président. Je croyais tout de même avoir établi les fondements étant donné la signature du télégramme. Alors, peut-être dernier document et dernière question, puisque il est déjà midi. Est-ce que, Monsieur le témoin, vous auriez rencontré en décembre 78, un mois avant l'attaque finale des Vietnamiens, deux journalistes américains et un professeur britannique? Et je vais vous donner directement les noms. Il y a notamment le professeur Caldwell et Madame Becker, parmi ces trois personnes, ainsi que M. Dudman. Est-ce que vous les auriez rencontrés en décembre 78 avant que les Vietnamiens n'arrivent? Somchlai,
Est-ce que, Monsieur le Président, je pourrais montrer un tout dernier document qui ne fait qu'une page et demie à Monsieur le témoin pour lui rafraîchir la mémoire? Il s'agit d'un document qui est adressé aux chers respectés frères le 8 décembre 1978 et dont les auteurs sont Khan et Mout et qui parle des demandes formulées par le professeur Caldwell, Dudman et Madame Baker quant à leur visite. Le document est le E3-1156 et D366-7.1.214. Je vais laisser quelques secondes à M. le témoin pour parcourir le document, bien entendu, et nous dire s'il a pu rencontrer ces personnes avec un dénommé Mout et en faire rapport au ministère des Affaires étrangères. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez pu parcourir le document et pouvez-vous nous dire qui sont les auteurs de ce document? Qui sont Khan et Mout qui ont écrit ce document le 8 décembre 1978? Xong chụp đẹp chôn chụp mô mốt
Est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce document avec Tamut? Parce que là, je n'ai pas compris si c'était vous qui aviez rencontré cette délégation de journalistes et de professeurs. Rương rào chán ý. Ta mới cứ miên nhóm hay nhàng bóng mốt nâng, ta mốt nâng. Để ruông khía xa rốc. Rê ca. Phí nẹ mà nẹ để bàn tay chóng chám viên mình chụp à. Và toute dernière question, Monsieur le Président. Quant au contenu de ce document, vous dites être le co-auteur. Le professeur et les journalistes ont demandé beaucoup de choses, dont le souhait de se rendre près des frontières lors de leur visite, d'aller à la campagne, de voir la vie quotidienne des habitants, de rencontrer de nombreux cadres dans toutes les villes, de visiter des coopératives, des prisons politiques, de parler aux gens séparément, se renseigner sur la population Cham, sur les exécutions, et aussi de rencontrer les dirigeants du pays, dont le Premier ministre, les vice-premiers ministres Yeng Sary et Son Sen, Ban Yeng Tirit, Kyu Ponari, Nunchia, Sihanouk, Ho Yun et Ho Nim. Pourriez-vous nous dire comment la hiérarchie à qui vous avez adressé ce rapport a réagi face à toutes ces demandes formulées par ces journalistes et ce professeur? Est-ce que vous savez si ces visiteurs ont obtenu ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils ont pu voir tout ce qu'ils demandaient? ត្រួសត្រាសអលឺនលឺនេះគឺសំដងពណ៌នេះដោយមិនបានសម្រេចអីប្រមាណទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែពីព្រោះពេលនោះការងារទាំងអស់នេះបានតែពំនាំមកទេតែអ្នកសម្រេចនៅខាងលើបាទសូម
Je vois qu'il est temps, Monsieur le Président, donc je vais m'arrêter là. Et je voudrais vous remercier pour votre patience et remercier également le témoin. Merci. ពីសាថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំព្រះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលធនាគារសម្រាប់ទទួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំដល់សាក់សីនៅបន្ទប់រងចាំដើម្បីសាក់សីនៅក្នុងប្រឡងពេលសម្រាប់ពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិក្កកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេ